Salut, salut, mes petites pestes, bonjour, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Final Fantasy Tactics Advance. La dernière fois, j'ai arrêté à. Pour avoir fait deux missions, étant donné que j'ai fini le jeu. Pendant que je refasse la mission de fin de jeu. Je peux pas la faire, la fiancée numérotée, ça m'énerve. J'ai fait une dégradation. Ah si, elle peut la faire. Ok, non, en fait, ça se voit que quand tu les poses. Oh putain, c'est cool ça. Ok, d'accord, je viens de comprendre comment ça fonctionne les délégations. Faut les poser sur la map pour que ça ait pris en compte. Ok, bon, c'est bon. Enfin, je peux la faire. Bon, j'ai enfin de comprendre un truc après des 100 missions. Bon, faut que j'aille à goût. Ah oui, c'est vrai. Desert Kiki. Redis, bah non. Non. Oh, bah, personnellement, vu que je vais à goût. Autant prendre deux missions qui se trouvent là-bas. Les veilleurs de goût. Bon, bah. Ah voilà, j'ai mes trois missions. Allons à goût. Enfin, je peux faire la fiancée numérotée, bon. J'ai appris un truc aujourd'hui. Putain, je pensais que ça se voyait. T'as un 3 habitué FFTA 1 pour savoir si une personne est disponible pour mission de baffe. Fallait à poser sur la case pour voir. Enfin, oui. Avec un peu de chance, j'aurai les chocobos à goût. Le mec qui espère avoir son putain de chocobo rouge. Tant donné que j'ai aucune information de où on peut choper le chocobo rouge. Où il y en a dans le désert de Kitli aussi. On paraît qu'il y aura des morts vivants ici, je sais pas pourquoi. Je suis devin. J'ai deux morts vivants. Ah merde, s'il y a un coup critique qui spawn, je suis baisé quoi. Alors, j'ai même pas regardé le niveau des mecs. Là, je peux pas te prendre. J'ai 47. Comme la hausse de PA. Mais Sam, tu poses ici que je trouve les minerais dont j'ai besoin. Mais comme je vais attendre, tu poses le site grouille de monstres. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous débarrasser rapidement. Je vais vous aider, Cupo. Je n'ai jamais combattu de telle horreur, mais je suis prêt à tout pour ce minerai, Cupo. Ne prenez pas de risques inutiles. Contentez-vous de leur tirer dessus en restant bien en retrait. Pourquoi croyez-vous que j'ai pris mon humou, hein? Je savais qu'ils avaient une faiblesse au vent. Je viens de remarquer un truc, c'est que je n'ai pas de technique pour envoyer les morts vivants. Donc faut que je tue les morts vivants en dernier. Ah, et merde, j'ai fait le con sur ce coup.
Avec un peu de chance que mon Vanga et je lui ai laissé les techniques de moine. Blaina. Bon, j'ai au moins du fil qui pionceront pas dans l'eau. Ah non, sommeil éternel, non, c'est... Ah, c'est sommeil et glace. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est sommeil et glace, hein. Je sais pas si je peux guérir glace, hein, quelqu'un. Bon, ça va, lui, il s'est pas pris glace. Oui, bon, bah, toi, on va te focus, hein. Bon, par chance, j'ai ma Viera. Elle craint rien pour résister mes morts suite à glace. Bon, par chance, le Mog, il s'est pas pris glace. Ah, sinon, j'étais dans la merde. Vous avez échoué la quête. On va réveiller tout le monde. Mais je sais pas si ça soit une glace guérison par contre. Non. Bien ce que vous disiez. Tout, une attaque normale, ça fait combien? Pfff. Ah, il a une bonne attaque, ce con, quand même. Alors avec juste une attaque normale, il fait quasiment autant de dégâts que mes humains avec double lame, quoi. Et je vous dis pas comme à... Merde. Je vais même pas attaquer ton pote, encore. Putain, il régénère l'autre pute, là, avec son sommeil éternel. Moi je suis gentil, moi je laisse dormir mes ennemis, moi. Mais arrêtez de fourrer chaîne, putain! Je vous hais, les zombies! Je vous hais de tout mon être! Il n'avait même pas eu le temps de balancer la technique. Puis ce con il s'avance. M'en fous, je veux la tuer rapidement cette salope. J'ai gagné 2 MP en faisant ça. Ça a même pas fonctionné, je me suis même pas régénéré mes MP. Ça sert à quoi, Succion?
Non, sérieusement, ça sert à quoi, Sucion? Je ne suis pas régène le moindre MP en faisant ça. Heureusement, le coup critique, il y avait un mur derrière. À quoi sert Sucion si ça ne me régène pas mes MP? Non, j'ai l'arc de la reine. Toi, mais je te focus, mais tellement. Et tellement une pute avec ton sommeil éternel. Pas grave, j'ai licorne. Ah, ok, carrément échec, il a été transformé en crapaud, donc c'est un échec, d'accord. Ok, super. En même temps, si ce con savait rester en arrière... Je déteste les quêtes de protection. C'est juste de la grosse merde. Je déteste les quêtes de protection. PNJ, t'es en jeu, c'est de la merde. Les PNJ sont cons, ils font soumuer, ils se sont niqués. Là, en plus, il est même pas mort, il s'est juste pris crapaud. Je pouvais le décrapouriser, mais pff, le jeu en a rien à foutre. Bah il est en crapaud, alors tu l'as dans le cul, connard. Recommence. Nya. Ouais, les cabrioles, ça aurait été rapide. Merci, Kupo! Ce sont eux là-bas avec le masque. Je voulais vous occuper de Kupo. On dirait que les gens de la ville ont engagé des mercenaires. Plus d'infos, plus on rit. Faisons-leur la fête, voleurs. Ah, en 4 roues non plus! Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu cette loi un peu pète-couille. Le jeu qui sait toujours pas lire. L'IA qui sait toujours pas lire. Quand un ennemi, tu lui feras aucun dégât ou zéro de précision. Bah non. Je fais zéro dégât ou j'ai zéro de précision, mais je continue. Hein. Bah oui, c'est tellement intelligent. Quoi, t'as même pas double lame? Oh putain. Ce PNJ qui sert à rien. Bon, je prends visé qu'un. Ah merde, par balle ça fonctionne avec les obus. C'est pas vraiment une balle un obus, hein, donc voilà. Bon, maintenant je suis au courant quoi.
Entre un pare-balles et un pare-obus, c'est pas le même truc qu'il faut, hein. La contre-attaque de FFT1 était plus stylée. Tu voyais vraiment parer avec, avec sa lame ou ses mains, je sais plus, et contre-attaquer, pas juste faire une esquive. Non, franchement, ça c'était plus stylé sur FFT1. Puis cette merde qui a même pas de double lame, quoi. Putain. T'as un ninja et t'as pas double lame, mais t'es has-been, mec. Rentre chez toi, change de classe. Va faire une classe qui manie des épées à deux mains. Elle tuera jamais son mec, elle. Je suis dans la merde, du côté là-bas. C'est pour ça que je vais me dépêcher d'y aller, étant donné que celle-là fait que des techniques que le mec serve à rien ou fait pas de dégâts. Voilà, tu vas encore tirer à l'arc, quoi. Tu vas faire zéro de dégâts, bouffel. Bon bah, encore une quête échouée, hein. Bon bah, c'est la série des quêtes échouées aujourd'hui, hein, je crois. Au Gitanerai, je l'ai pas, c'est éclat. Oh! Donc il y en a un d'élément foudre apparemment. Bon après au pire j'ai mon Vanga qui aura l'attaque ultima pour régler le problème. Mais bon, ça sera pas suffisant. Ce mec sert tellement à rien, putain. Oh le con, on va en perdre un tour. J'ai pas fait mieux que l'ordi là. Rien à foutre de viser les alliés. Bloque le chemin, pitié. Et voilà, maintenant je suis bloqué. Je suis bloqué, je peux plus avancer. Parce que ce jeu est con, est con, est con. Et toi, tu sers à rien, à rien. Mais ils s'en foutent, silence! Mais arrête, ça sert à quelque chose, connasse, putain! Oh, le critique! Thank you.
Tiens, c'est comme ça qu'on fait des dégâts, connasse. Désolé, je suis un peu salé, mais là, je viens d'échouer une quête à la con, à cause que le mec a été transformé en crapaud. Faire à quelque chose connasse. Non, bah non, t'as décidé d'être inutile. Ah, t'as fait lenteur, c'est bien connasse. C'est bien, t'auras un bisou sur la fesse. Putain de salope. Ah non, mais je déteste l'IA ordi quand ils contrôlent des mecs avec plein de trucs de changement de statut. Ils te balancent que ça, ils servent à rien, ils font pas de dégâts, ils servent à rien, à rien, à rien et à rien. C'est pas de couilles. Par chance, il a pas raflèche, il a pas par balle. Et en plus, je l'ai ravancé de moi. Bon, j'aurais même pas besoin d'une attaque ultime, là. Mais je vais l'achever en beauté quand même. Ah merde, je suis baisé. Ah que je suis baisé sur ce coup. Tu le. On les a tous eus. Notre mission est accomplie. Grâce à votre aide, nous avons vaincu ces malandrins en un rien de temps. Nous vous en remercions. C'est nous qui vous remercions, vous faites un sacré trio. Mon cul! Tiens, on dirait que ces cambrioleurs ont perdu quelque chose. Serviette, Imo. Le reste est illisible. Une serviette? Quelle idée d'engager des voleurs pour piquer une serviette? Elle doit vraiment être spéciale. Ah, les fans. Du moins que c'est pour dire un truc de leur idole préférée, les fans sont prêts à tout acheter, n'importe quoi. Ah, des monstres! Avec un peu de chance, y a un chocobon rouge! Pitié! Agression des faibles? Attends, on parie qu'ils sont plus faibles que moi? 38. Oh! 41. Oh! 39. Oh, ils sont plus faibles que moi. On va pas s'emmerder, on va prendre du déplacement. Là, je peux utiliser cette map, là. Les librairies ont volé dans tous les sens, ça va pas être une mince affaire du tout, c'est récupéré. Ah, comme si mon beau ne suivait pas à nous compliquer la tâche, bien, au travail.
Pour attirer le monstre. Merci pour la régène. Ah, ça va être compliqué de passer par là par contre. Elle peut passer au-dessus des ennemis en volant ou pas? On va bien voir, hein. Lui c'est très simple, je vais l'attirer là bah, pour qu'il me laisse le chemin. Je dirais que oui, elle peut passer au-dessus des mobs en volant, mais... J'ai jamais fait gaffe avant, donc... Et l'enculé. C'est bon, elle peut passer au-dessus des ennemis alors. C'est bon, il s'est bien mis. Va sur la gauche, va en haut, je sais pas, oui. C'est bon. Finir rapidement cette mission. Il peut rejouer mon Numu un jour.
Et voilà, j'ai tous les fragments. Je crois que nous avons récupéré toutes les pièces de cette machine. Rapportons-les sans plus tarder à l'ingénieur. J'ai eu 30 points d'apprentissage, putain. Parce que j'ai pas génocidé tout le monde. On va vite fait voir si au désert de Kitli il n'y a pas les chocobos. Parce que les rouges peuvent apparaître au désert du Kitli soit au goût. Oh bah non. On va voir ce que je peux créer. En parlant de débutant, hein. Ça n'a plus rien à voir à créer. Hein. Bon, on va sur ce, mes petites pestes mojo. Je vous remercie de regarder. On donne rendez-vous lors du prochain épisode. Et sur ce, salut, salut!